Bah, je ne sais pas parce que je ne suis venu que l'année dernière, mais je sais qu'il y avait des manières différentes d'organiser les choses. On a ajouté des programmes comme le cinéma jeune public qui m'est très très cher. Ce matin, j'étais au Colisée et j'ai vu les 800 enfants qui, pour la plupart, regardaient un film dans une salle pour la première fois dans leur vie. Et ça nous mène immédiatement au film de Scorsese, parce que ce film aussi a été financé par une compagnie, Netflix, pour être vu dans l'Internet, mais ils nous permettent de le voir ici pendant le festival sur un très grand écran. Pour moi, le cinéma, c'est ça, d'être dans une salle, de regarder quelque chose avec les personnes autour, certainement, et dès le début d'ailleurs, parce qu'on a toujours eu ici beaucoup de vedettes, beaucoup de réalisateurs et réalisatrices très connus, très importants, qui partagent dans les masterclass, dans les conversations avec une nouvelle génération. Ce qu'on a ajouté au festival, c'est l'industrie. Maintenant, il y a des chercheurs, des sélectionneurs de festivals internationaux qui viennent pour découvrir le cinéma de la région. Ils découvrent le cinéma arabe, le cinéma marocain, le cinéma africain. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que c'est important pour un festival d'être bien ancré dans la région.